15, la ville de Kalemie dans le Tanganyika se réveille sous une toute autre ambiance. Les choses sont maintenant claires. Le virus du 23 décembre 2014, parti de Lubumbashi, a fini par contaminer tous les recoins de la province, se propageant telle une traînée de poudre. Toutes les visites de l'honorable Moïse Katumbi Tchapwe tournent à l'événement et c'est dès les premières heures du matin que d'innombrables foules prenaient la direction de l'aéroport. Kuya kwa Moïse papa maana yake ni kuonesha mi damu ilianza kunikauka hivi damu inarudia mwili wote tuna nguvu tele na furaha tele maana ni kusema tutafuta kujipoteza kupotea kwake ni kupotea hivi unatuona papa tunaomba kitakuwa kikua maana yake tuko deriere yeye hii tunakwambia papa tuko force sana juu yake tunakia lwa mkulu kutoka kule jutu ya kwa kumuona. Tulikuwa na huzuni sana kufatana gisi walituambia sema ni mgonjwa. Hapa hivi tunasikia sema ni mzima na yuko nakuja hapa Kalemie tunakia kumpokea kwa shindo na kwa furaha maana yeye ndio macho yetu na kilio chetu kia sheba mama yana kaka na kisikia na anakaka na natujibia. Dès que l'aéronef du gouverneur pointe dans le ciel Kalemie, l'ambiance monte de plusieurs crans. Le dernier gouverneur du Katanga se faisant à l'occasion accompagné de tous ses ministres ressortissants du Tanganyika. Dès que le gouverneur Moïse Katumbi apparaît enfin, les habitants de Kalemie deviennent incontrôlables. Par milliers, ils tentent chacun d'approcher de plus près leur hôte, tellement en surnombre qu'on se croirait à la sortie d'un stade après un derby de football. L'honorable Moïse Katumbi Tchapwe décide alors de parcourir le trajet qui mène jusqu'au rond-point qui s'est voué à pied et à leur rythme. Près de 6 km sur lesquels il mettra 2 heures pleines sous un soleil de plomb rafraîchi par un débordant d'enthousiasme. Tunashukuru Mungu, tunamsaidia, tunamwona yuko mzima, tuliwazia alikufa lakini tunashukuru. Sante yake Mungu ambariki amuzidishie tena miaka ya kutosha. Na furaha kumuona Moïse Katumbi Tchapwe. Na furaha sana. Moïse anafika bia baba tunamuona sawa hapa. Sisi tunamlombea tu apishe milele apite baba, njoo baba yetu. Arealize ma promesse yake yenye alitupatia. Des scènes de liesse fusant de partout. Tout avec la même sincérité, la même ampleur, l'on sent qu'il a manqué à ses administrés de cette partie de la province. Pendant qu'il s'avance vers le rond-point, celui-ci est déjà bondé de monde. Cette chaîne humaine est impressionnante. Na tunaomba atapostile, tuko 100% juu yake. Dès qu'il atteint enfin le rond-point qui s'est boué, c'est un véritable chaos qui rappelle à peu près ce qui se passa à la place Moïse Tshombe de Lubumbashi le 23 décembre dernier. La place devient tout d'un coup très étroite et c'est avec mille peines que le gouverneur parvient à trouver une tribune improvisée pour parler à ses inconditionnels venus là depuis très tôt le matin. Une campagne à chef de l'État. Miri Semaga, tout à l'heure, il y a un peu de temps. Jambé nous.
Est-ce que bon inakuya po aina po? Lorsque le meeting prend fin, c'est d'autres efforts surhumains qu'il lui faut fournir pour se frayer un chemin vers la prochaine étape, le site où il a fait ériger le nouveau pont de Kalemi qui en ce moment-là était lui aussi déjà plein comme un œuf. Plus de 3 heures après, il y avait encore des colonnes des gens qui continuaient à venir de l'aéroport sans avoir atteint le rond-point. Le meeting, lui, était déjà terminé depuis longtemps.